Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisort. Bienvenue dans cette revue de presse de ce dimanche 26 janvier 2020. Donc officiel, l'Atlético Madrid recrute Edinson Cavani. Donc Cavani a bien passé sa visite médicale. Maintenant c'est ok, Cavani quitte le Paris Saint-Germain officiellement et rejoint l'Atlético Madrid. Parce que Cavani qui dit donc Mauro Icardi Mojo Plasam et il va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone. Donc Fletcher, Angleterre, Manchester United et le Sporting Portugal donc Jagenin trouver un accord. Donc Manchester United, donc ils vont probablement signer donc Bruno Fernandes, donc le capitaine du Sporting Portugal international, donc portugais, pour la somme de 110 millions d'euros. D'après Odiogo, une solution pourrait être trouvée avec un transfert fixé à 55 millions d'euros avec des bonus de 15 millions d'euros. Ça fait 70 millions d'euros. Donc Bruno Fernandes pourrait atterrir à Manchester United. Ça suffit le racisme. Donc racisme encore en Espagne. Iñaki Williams, qui est un joueur noir mais qui est donc de nationalité espagnole, a été victime de cris racistes face à l'Espagnol Barcelone. Donc El Correo qui dénonce ainsi donc les insultes proférées à Williams. Donc vraiment racisme oui, d'ailleurs football bi. Et c'est partout en Italie, Espagne, France. Donc partout il y a le racisme et ça doit cessez. Donc la Catalogne s'inquiète pour le Barça ou à Madrid mon irait. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc tandis que donc wa Barça buñuy rétane wa Madrid ñuy joy wa Madrid buñuy rétane wa Barça ñuy joy parce que actuellement le Barça n'est pas en forme parce que Barça balance ko do demb 2 buts à 0 pour Mundo Deportivo. Les joueurs étaient perdus donc joueurs dañu rer ki ngay sañ tamit ñu ngay attaquer parce que nañ foulum bi possession stérile amul ben sens. Donc vraiment donc le Barça est en pleine donc difficulté. Donc sans surprise Pierre-Emile Aubameyang du dem Barça cet hiver. Donc ça c'est clair hein, xamnañ ni Arsenal mom bu jaayé Aubameyang day tarsu day yaxu. Donc Tottenham et José Mourinho lancent un assaut de dernière minute pour Gareth Bale parce que mercato hivernal dina jeex le 31 janvier. Donc il reste à peu près 5 jours motax wa Tottenham ñuy accélérer la cadence pour djema recruter Gareth Bale parce que avec l'absence de Harry Kane, il faut un joueur de très haut niveau pour tenir la baraque. Actuellement, le joueur le mieux placé c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui fait partie des meilleurs attaquants au monde. Donc gis nañ ni Dortmund amnañ ay flèches, amnañ ay jeunes joueurs yo xamanteni té mu leen té joueurs yoy 19 ans lañ am ñom ñaar ñep moy Jadon Sancho l'international anglais et Erling Braut Haaland l'international norvégien. Donc Jadon Sancho comme ni ngi gisé 26 matchs 14 buts 4 donc 14 passes décisives mom ba légui double double la def 14 buts 14 passes décisives. Il est impliqué dans 28 buts. Erling Braut Haaland 24 matchs 33 buts et 7 passes décisives. 24 matchs il est impliqué dans 40 buts. Donc c'est pour dire que vraiment Paris bu leen yabo commencer à trembler parce que avec donc cette forme des joueurs de Dortmund, donc ça ne sera pas facile en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc Barça ñom aussi ñuy xol comment recruter Rodrigo Moreno. Donc Wissam Ben Yedder choisi nañ ko mais donc Robert Moreno entraîneur Monaco néelen bu ngeen joxe 200 millions d'euros mëna ñu commencer waxtan mais 80 millions d'euros c'est trop petit pour Wissam Ben Yedder. Donc pas d'offre pour Lucas Paqueta. Donc Paqueta Milan dako bëgg Paqueta jaay ko parce que il est en méforme motax donc ba légui ñuy xaar offre mais ba légui y a pas d'offre concrète pour Lucas Paqueta. Pourtant daw def na saison bu baax mais cette saison donc doxul trop comme l'ensemble de l'équipe du Milan.